Bonjour tout le monde, ici Fireman Modding. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager autour de vous et surtout laissez-nous un petit pouce bleu et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo, ce que vous pensez de notre vidéo. Et pour ceux qui ne le sont pas, pensez à venir vous abonner sur notre Discord pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Alors aujourd'hui, on va être en police nationale. Et je me suis équipé d'une petite tenue parce qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Alors c'est une tenue qu'on peut trouver sur Urgence Mode. On va aussi patrouiller avec le 5008. Il y a mes collègues de venir. Alors, on a été appelé pour un homicide. Allez. Ah mince, j'ai pas quoi, j'ai oublié de mettre. Je vais m'arrêter là pour les mettre. Voilà, comme ça. Vous savez à quelle vitesse on roule et quelle heure il est. Donc il est 9h du matin, on commence notre journée de garde. Allez, on va se rendre sur le lieu. On n'a pas eu plus de précisions sur ce qui s'est passé. Allez, on y va. On est à 1 km encore. Allez. Alors, je sais pas si c'est dans la rue ou dans une habitation. Allez. Alors, apparemment, c'est dans la rue piétonne, près de la plage du Prado. Allez, on va se présenter sur les lieux. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Hop. Je vais mettre là. Alors, il a entendu. Il a entendu des coups de feu, il a vu. D'accord, donc il a vu une dame rentrer dans le magasin. Donc, je crois qu'on peut pas rentrer. Alors, le seul moyen, hop, c'est de péter la. Voilà. Hop, c'est rien. Bonjour. On m'a dit que le monsieur nous a dit qu'il avait vu rentrer une femme dans ce magasin. Elle serait suspecte. Alors, la dame elle me dit qu'il n'y a personne. J'ai quand même allé vérifier dans les vestiaires au cas où. La porte est fermée. Hop. Ouais, j'ai rien de plus. Hop là.
Je vais ausculter le corps. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Apparemment, il avait son permis sur lui. Alors, est-ce qu'on peut faire... Est-ce que je vais trouver autre chose? Alors, il avait de la drogue sur lui. Donc moi, je vais faire... alors... Non. On peut pas demander au dispatch. Bon, apparemment, non. Donc, hop. Là, il y a des douilles. On a retrouvé 5 douilles. On va aller regarder dans la poubelle si quelque chose n'a pas été jeté. Voilà, va vite. Qui nous permettrait peut-être de retrouver des empreintes dessus. On a trouvé un pistolet. Alors, je mets tout ça sous scellé. Alors, alors, d'accord, donc on m'a indiqué une adresse. J'ai dit à mes coéquipiers de revenir pour qu'on aille vite fait à l'adresse. Apparemment, les caméras auraient localisé la personne. Toute proche. Alors, elle est où cette personne? Apparemment, c'est ça, une de. Alors, elle... non, il se déplace. Alors, ça part en courant. Heureusement, j'avais prévu. Allez, on va essayer de le rattraper. S'il part, c'est qu'il doit être suspect. Il doit avoir des choses à se reprocher. Mince. Ah, allez, arrêtez de courir, arrêtez de courir. Alors c'est... Alors... Hop, je l'arrête et je vais le mettre directement sur le trottoir. Parce que là on est en pleine rue là. C'est quand même assez dangereux. C'est une rue assez passante. Nickel. Allez, on va le mettre là. Allez, je lui fais... TV 130 de TN67, une dame aurait perdu son animal dans votre zone. Pas alors, il y a une liasse de faux billets et un pistolet. Et le monsieur n'a pas le permis de port d'armes. Donc déjà, on peut le verbaliser. Je vais demander... Hop, je vais demander au dispatch si le monsieur aurait des antécédents. Je m'éloigne un peu. Il a pas de fiche de recherche sur lui. Donc monsieur, je vais vous verbaliser déjà pour un permis de port d'armes, un port d'armes prohibé. Alors, en plus il était en probation. Donc ce monsieur, c'est mal parti pour lui. Alors autre possession, il avait de la fausse monnaie. Crime non violent, est-ce qu'il
Alors, et en plus, je vais l'occuper pour Martha parce qu'il a tué le monsieur là-bas. Alors, propriété, non. Attends, possession. Possession illégale d'armes à feu. Attends, c'est illégal par un criminel parce qu'il était en probation, donc c'est un criminel en plus. Alors, crime violent, homicide. Il y a eu un meurtre au premier degré. Et est-ce que... Okay. Ça c'est bon. Ça c'est attaque en armée, donc c'est pas ça. Donc non, c'est bon. On va lui retenir que ça. Donc qu'est-ce qu'il va prendre le monsieur? Donc il prend la prison à vie et 109 000 euros de dommages intérêts pour la... La victime. Allez. Du coup, j'appelle une voiture pour venir chercher ce monsieur. Allez. Elle vient de quel côté? Elle vient de ce côté. Voilà, c'est le fourgon, ils ont amené le fourgon. De toute façon, le monsieur sera conduit directement à la prison. Vu ses antécédents. Allez. C'est bon pour nous. Allez, on retourne en petite foulée. Jusqu'à la voiture. On va faire attention à la circulation. Hop, allez, on passe. Bon, mes collègues apparemment m'ont pas suivi. Il doit pas être très... chaud pour courir. Allez. Je vais aller les rechercher. Du coup. Voilà. Allez, du coup on va pouvoir repartir en patrouille. Normalement c'est bon. Alors, hop, on va le prendre. Parking accident. On va voir ce qui se passe. Allez, apparemment... C'est sur le parking de cette résidence. Alors, il s'est passé où? Apparemment, c'était derrière nous. Je vais revenir par là. Alors, il est où? Alors, je vois pas de voiture. Ouais. Moi, je vois pas de voiture. Donc, je pense que...
Du coup, je vais faire. Hop. 10-4. Hop. Et on va repartir. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il fait sur le trottoir? Oui, quand même. Ouais. On va pas faire les petites infractions. Hein. À part si c'est vraiment grave. Ouais, je pense que c'était quelqu'un qui avait plaisanté ou qui s'était trompé. Et... Il nous a envoyé pour rien. Intrusion à l'aéroport. Vous allez vous transporter à l'aérodrome pour une personne qui se serait introduite dans un hangar. La compagnie aérienne a été prévenue. Alors ça c'est peut-être quelqu'un qui veut faire de n'importe quoi. Alors on se dépêche. L'aéroport c'est quand même assez dangereux. Allez, encore 2 km. On connaît pas les intentions de ce monsieur, voir ça. Est-ce que c'est un clandestin qui chercherait à s'introduire dans un avion pour un pays un peu plus riche? Ou c'est qu'un malfaiteur, c'est pas. Donc on va rester sur nos gardes. J'ai entendu quelque chose de pété, je sais pas ce que c'était. Du coup, nous, on va passer par là. Allez, ouais, ils veulent pas nous laisser passer. Allez, on va devoir faire le tour. C'est de l'autre côté des pistes. Qu'on ne peut pas passer sur les pistes, logiquement. Du coup, on va faire le tour. Je vais rester sur la... sur ma piste, à moi. Allez. On va faire vite pour pas qu'il nous voit arriver. Faire attention. Apparemment le monsieur est en plein milieu de la piste. Je sais pas qu'il n'y a pas d'avion que... D'accord. Ok, bon. On va mettre la voiture sur le côté. Apparemment, le monsieur a dû se faire shooter par un avion. Du coup, je vais appeler une ambulance. Comme on sait pas trop ce qu'il a, ouais, mes collègues qui patrouillaient dans le coin. Ouais, c'est bon, on a appelé les ambulances, ils arrivent. Hop, on va laisser le passage à mes collègues. Il y a par là. Voilà, nickel. Oula, par contre... ouais. Intervention de TV
130, reprise de vacation. Oh putain. Bon ben, ils avaient pas fini, ils avaient pas bloqué la, la comment ça s'appelle, la, la piste. Donc du coup, mes collègues ont dû rester là-bas. Bon du coup, pour aller plus vite, je vais me TP jusque là-bas. Ah, d'accord. Alors du coup, si je comprends bien, je vais avoir un collègue qui est là-bas. Donc, hop, je vais en faire spawner qu'un pour l'instant. Je vais me mettre mon véhicule. Ah, d'accord. Donc, j'ai. Hop, je vais en faire spawner un autre. Bon, du coup, on reprend notre vacation. Bon, première mort. Hein. On a essayé d'éviter. Mais là. On n'a pas pu éviter l'avion. Du coup. C'est bon. On va attendre les inters. On va patrouiller un peu par ici. Hein. On va regarder autour du métro, voir s'il n'y a rien de. Allez. Donc par contre je vais mettre en temps parce que là du coup on est reparti sur du on va dire qu'il était 15h hein. S'il pas fait gaffe à alors qu'il était quand ça a craché, quand j'ai été tué. Donc on va mettre cette heure là et je vais patrouiller comme ça. Allez, on va attendre que les inters arrivent. Hop, allez, on va demander. Ah non. Alors, le monsieur. Ah mince, j'ai oublié. Ouais, c'est vrai que. Du coup, on va essayer de le rattraper. Parce qu'il est en train de nous mettre un petit peu un vent là. Alors. Mince, non. J'ai appelé une autre patrouille. C'est le monsieur a créé un autre accident. J'ai un accident sur le la route la route 23. Attention aux piétons. Oula, j'ai bien cru qu'il allait shooter le piéton. Alors je vais demander un blocage de route parce que le monsieur devient quand même assez dangereux. Ah, il m'a même pas mis bien sûr au bon endroit. Alors la personne. Vite, on va essayer de pas le perdre. Heureusement, il roule pas très vite. Il nous fait des petites feintes comme ça là. Stop the damn car.
Il essaie de nous faire... de nous tromper de route. Faire attention. Allez. Nickel. Allez, sortez des véhicules. À terre, à terre. Allez. Allez, on l'arrête. Du coup, hop, on va aller se mettre sur le trottoir. Bah, ça, on est en pleine rue. Mes collègues vont faire la circulation pendant que moi je m'occupe du monsieur. Du coup, hop, on va le faire une palpation. Allez, il a rien de d'exceptionnel sur lui. Du coup, hop, hop, moi je vais demander au dispatch. Hop, je me demande à... Alors, il est pas recherché. Hop, attendez. Je vais chercher dans son véhicule. Voir s'il avait quelque chose d'illégal. Attendez, on a... Alors oui. Oula, il avait... plusieurs grosses armes. Des caisses en bois pleines de mitrailleuses. De mitraillettes. Et un pistolet, d'accord. Donc c'était un convoi pour sûrement approvisionner les cités de sensibles. Alors du coup je vais faire remorquer le véhicule. Allez, le monsieur, on va regarder déjà s'il n'était pas recherché aussi. Hop, alors, ce monsieur, alors, il avait, autre possession, il avait des armes à feu, alors, possession d'armes mortelles, alors, qu'est-ce qu'il a fait circulation essence de conduit délit de fuite déjà quitte la scène d'un accident conduite imprudente. Alors, je pense que ce sera bon. Alors, hop, le monsieur. Donc, il prend un an de prison et 3465 € d'amende. Allez, hop, du coup, on va faire appel à une équipe pour le... pour venir le chercher. La dépanneuse arrive. On va pouvoir récupérer le monsieur, le véhicule du monsieur et l'amener au commissariat pour une vérification plus approfondie, voir s'il n'y aurait pas des choses cachées. Allez. La dépanneuse arrive. Nous. Hop là. On sort de là. Ce que je vais faire.
Allez, on reprend. Du coup, on repart. On va aller patrouiller un peu vers le haut. Bon, si personne n'est décidé à s'élancer, hein. Allez. Donc la voiture noire s'est passée. Ah, je sais pas. C'est bon. Oula, il a failli avoir accident. Allez, c'est calme. Allez, on nous appelle pour une activité suspecte sur un distributeur de billets. Désolé. Alors c'est le comment ça s'appelle, c'est le centre de contrôle de la des caméras de surveillance de la ville qui nous ont signalé le méfait. Allez, on y va. On a envie de mettre le deux temps pour pas signaler à la personne qu'on arrive. On a les gyrophares. On fait attention. Allez. On est bientôt arrivé sur les lieux. Alors, apparemment, mais c'est bon, il est armé. Hop, allez, ça y est, se rend. Allez. Bon, mes collègues me couvrent. Ah, nickel. Heureusement, il a essayé de me planter. Mais j'ai réussi à éviter. Allez, je vais lui faire une palpation. Mon collègue va lui faire une palpation. Moi, du coup, t'en profiter. Les 130 de TN67, on est signalé une personne dénudée dans votre zone. J'ai demandé une vérification d'identité. Il a pas de permis de port d'armes. Et bon, il avait pas d'armes sur lui. Il est recherché. TV 130, reprise de vacation. Donc, le monsieur, je vais appeler une voiture pour venir le chercher. Alors, la voiture qui vient de le chercher arrive sur les lieux. Nickel. Bon, mais pour nous, c'est une fin de vidéo, une fin interne.
J'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager autour de vous. Et à nous laisser un pouce bleu et un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez comme nouvelle vidéo. Et à une prochaine vidéo.